Yo, salut les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Beyblade. Nous avons enfin la chose d'Achillès. Enfin, nous avons cette belle chose d'Achillès. Ouais, ça intéresse quelqu'un. Nous avons, attends, quoi, on a deux lanceurs à ficelle, les gars. Attends. Ouais, on a deux lanceurs à ficelle, les gars. Ça intéresse quelqu'un, le système qui conseille, ils disent comment ça marche, les pièces. Bon, allez, on perd pas de temps. Nous déballons la chose de l'Achillès, enfin! Ça. Voilà, déjà, on ouvre la boîte. Vous la gardez ici, cette belle boîte. Oh les gars, regardez, elle est tellement magnifique. Oh là là! On commence par la copie. Déjà, on va enlever le carton de ce papier. Ok, non, c'est vrai, je vais prendre des ciseaux. Parce que ça, là, je vais avoir de la misère. Ok, la couche d'énergie, donc comme ça, ok. J'ai même pas le temps d'ouvrir la couche d'énergie. Ok, c'est parfait. Bah, c'est la couche d'énergie, les gars. On a tout jaune. Oh là là, les gars. On a cette chose de l'Achillès. Elles vont affronter plusieurs toupies. Vous voyez les toupies aussi? Je ne sais pas si vous les voyez. Bah, elles vont affronter toutes ces toupies-là. Ça a commencé ici à ici. Voilà. Et puis c'est des combats à 3 points. Ok, nous allons repartir ici sur son là. Les gars, en même temps, dites-moi dans les commentaires quelle est votre toupie préférée. Moi, quasiment, c'est l'égalité totale de choses d'Achillès et de Dread Phoenix. Et... Ah non, Zélaquilès, c'est juste en arrière. Même si elle est nulle. Zélaquilès, par contre, dites-le moi dans les commentaires si vous la trouvez forte ou nulle. Moi, je dis qu'elle est méga nulle. Oh, le disque forgé. On dit que c'est le disque forgé le plus lourd de tout Beyblade Burst. Mais à cause des GT, je pense. Mais vu que maintenant il y a les GT, c'est peut-être plus le meilleur du monde maintenant. Vu que maintenant il y a les GT et tout, voilà. Bah avant que les GT, c'était celui-là, mais le disque forgé le plus lourd au monde. Avec 25-26 points, je crois. Voilà. Les gars. Les gars, nous avons enfin la compte. Oh, on peut la changer. Ça va être long, hein, votre plan. Oui. Ok, ici c'est le. Attendez. Je vais vous donner un truc pour que vous sachiez toujours quel est le mode. Je sais plus, je crois que ça c'est le mode attaque. Puis l'autre mode est le mode défense. Déjà, assemblons la toupie. Les gars. Assemblée, elle va être magnifique. Oh. Elle. Je peux pas la voir exploser, elle. Je crois pas qu'elle va exploser. Non, elle va pas exploser du tout. Ici, nous avons le lanceur à ficelle. Ok, on va prendre les ciseaux. Voilà. En termes de facilité la tâche, encore. Voilà. Ah, ici, on peut le faire à la main. Les gars, voici la belle toupie. Oh, la corde est quand même plus longue que mon ancien lanceur à ficelle. Oh là là. Attends, nous allons déjà la tester. Oh. Ok, là,
gars, nous allons commencer avec Dread Phoenix, les gars. Voici le magnifique Dread Phoenix. Oh là là! Le premier à 3 points. Nous allons jouer avec le lanceur à ficelle. On profite du nouveau lanceur. C'est attaque ou défense, là, je sais plus. Vraiment, c'est exposé par l'attaque. Voilà. Ouh! Elle est en train de battre Félix! Bon, après, on va lancer la pièce après. Non, jure! Elle a. Non, mais c'est bon. C'est bon, les gars. Hein. C'est maintenant. C'est Egan, c'est ma toupie préférée maintenant. C'est Egan, c'est maintenant ma toupie préférée. Là, on la met en mode défense. On va remettre la note. Oh, par contre, elle était au milieu d'écran de Bursa. Par contre, c'est rare que je vois Dread Phoenix au milieu d'écran de Bursa. Par contre, je ne l'ai jamais vu exploser parce qu'elle va quitter la vidéo. Déjà. Wack, Lana a dit, je m'en fous, je sors. Lana, il y a bien en dessous qu'on vient de rentrer, mais j'ai pu le chercher. Oh, c'est un partout là. Attends, on va relancer un qui laisse en premier. Bon, on fait un grand beurre cette fois. Attends. Ah oui, peut-être parce que je l'ai lancé un petit peu plus après, mais. Voilà, c'est pas grave, les gars. Enfin, on prépare la note suite. C'est la qui laisse. Non, attends, vous allez recommencer parce qu'elle a pris quand même. Ouais, un grand beurre quand même. Et là, ça fait ok. On lance en mode défense. Elle. Ah ok. On va dire que ça comptait pas, les gars. Mais what? Mais. Qu'est-ce qu'il arrive là, CZ? Allez, habille-moi là! Allez, mais comment ça rigole pas? Non, à cause de la toupie, elle s'est accrochée. Et ça, nous allons tourner. Ah ouais, l'anneau, elle bloque tout. Attendez, il y a un problème. Ah voilà. Ok les gars, c'est un petit peu long. Les gars, avancez un petit peu la vidéo au cas où. Ok, non, c'est pas à cause du système capsule. Le système capsule, il s'est pas activé. Ok, je vous ai la qui laisse contre Black Phoenix. Qui va gagner. Oh, oh. Et qu'est-ce qu'elle fout, la loi, elle déplace toutes les toupies que j'ai préparées. Oh là là. Non! Attends, je vais la caisse. Oh, elle a pas survie. Ça serait bien. Nous allons essayer d'activer si c'est possible cette fois-ci. Après le combat, on va voir si elle a activé le 6 et le conseil ou non. Bon, j'ai tiré un peu de fort. Hein. Ça win, on va mettre toutes les wins ici, puis les perdantes ici sur le bac. Bon, je vous ai dit, là, ça a perdu. Et quoi? Non, mais c'est trop difficile d'activer si c'est quoi. À part si c'est le lanceur à ficelle qui est la force moins forte. Bon, là, ça va être deux Achilles. Oui. Ah les gars, on va essayer d'activer si c'est quoi. C'est bon. Ça sera pas avec le lanceur à ficelle, ça sera avec ce lanceur. On va essayer avec le lanceur plutôt, le lanceur turbo. Hein. Ouh. Avec tout ce qu'il a pris. Mais quoi? Mais c'est impossible d'activer si c'est comme ça là.
qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est quoi cette vidéo là? Cette vidéo va tourner à l'envers là. Elle est en mode attaque. Ok. Je comprends tout. En mode attaque, elle est nulle. Bon, là, nous allons commencer le combat. Je crois pas qu'on va la mettre en mode attaque, la Zedakiles. Zedakiles, on la mettra pas en attaquant, je crois. Mais. Changer de lanceur. Je sais pas qui va gagner. Je vais regarder en même temps que je vais chercher le lanceur. Ah ouais. Pour lui, c'est clairement meilleur. Oui. La déception, elle a perdu. Mais vraiment, j'ai toujours pas de
juste à bourser. Attends, je crois que je vais aller changer de lanceur. Je suis un bon lanceur. Très bon lanceur. Tellement bon lanceur que la toupie va craquer. Mais bon, je vais aller. Si c'est pas que ça, j'espère que il s'est activé cette fois. Sauf s'il s'activera jamais. Activé, moi je vais tirer toutes mes forces après moi. Tcha. Oh, par contre, elle est belle quand elle s'évanouit. Ouais. Non, dis-moi pas que le système Yakuza il s'est pas activé. J'en ai marre de ces tours. J'espère quand même que le système de coussin est activé, sinon c'est impossible. Par contre, je vous conseille de l'acheter. Hein. Oh, en plus, un cœur explosif. Hein. Toujours pas de système de coussin. Impossible. Non, non, non. Impossible, les gars. Non, 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 non. Impossible, 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 les gars. Non, 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 non. Le système doit quand même se faire activer, par contre, des fois. Par contre, il y a un problème, il y a un problème, les gars. Le système Kakusei, il ne veut plus s'activer. Le système Kakusei, il ne veut plus de moi, le système Kakusei. Dites-le-moi dans les commentaires si vous l'avez, cette toupie. Et dites-le-moi en plus si vous avez déjà réussi à activer le système Kakusei, mais c'est impossible. Mais c'est impossible d'activer le système Kakusei. Bon, voilà, un autre chaos possible, c'est parfait. Voilà. Toujours pas. Quand elle a killé, voilà. Vu que c'est encore un de ses doubles, c'est la dernière attaque. Elle a plus d'attaque. C'est peut-être moi qui est moi. On va déjà essayer en mode attaque. Le mode où ce qu'elle se met à attaquer, voilà, vous connaissez. Hein. Yes! Et puis, les gars, je vais vous dire pourquoi la couche d'énergie est plus comme avant. Je vais vous dire pourquoi elle est plus comme avant. Parce que mon ami Samuel m'a donné une nouvelle couche d'énergie. Parce que mon ami Jake l'avait comme abîmé. Genre sans vouloir, je crois. Or, mon ami Samuel a pensé à moi vu qu'il avait un double. Puis il me l'a donné, alors la couche d'énergie. Puis voilà, c'est comme ça que ça finit. Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le système comme ça. Là, nous allons changer le mode défense. Et faire un cœur explosif, les gars. Là, regardez, elle va exploser, voilà. Voilà. What? La pointe là, chose de la kinèse, je veux rien savoir de sa pointe. Hein. Non, elle, j'ai supposé la mettre ici parce qu'elle a perdu. Déception, elle a perdu. Mais toujours pas de système Kakusei. On a vraiment un problème. Kirbyux qui a déjà réussi à battre la Phoenix. Alors, elle peut peut-être réussir à gagner contre Zelakine. Bon, déjà, on va commencer avec la défense. Ensuite, on va peut-être essayer l'attaque. Allez, là, attaquez-vous plus souvent, là. Mais c'est même plus un mode défense, c'est rendu un mode endurance, là. Mode de choses et d'Aquiles. Les gars, elle est quand même haute. Regardez, elle est haute. Elle est haute, mon gars. Elle, on va la garder en mode défense, hein, évidemment. Parce que vous m'avez pas fait la changer le mode. Hein.
Et je vous ai rien dit non plus. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, on va dire que ça comptait pas. On va dire que ça comptait pas. Alors, si elle a explosé, ça veut dire que le système capsule s'est toujours pas activé, ça veut dire. Hein. C'est la seule chose que ça peut dire. Hein. Ok. En tout cas, c'est 1-0 pour Kerberus. Le chaos positif, on ne peut pas. Je suis mal tiré, ça fait plaisir. Ne pas le tirer, ça fait plaisir. Ok. Bon, le mode attaque, je peux obéir 2-0 pour Kerberus. J'espère que Akinet va gagner. Clairement, je ferai la Akinet là. Allez là! Là, je voulais changer le mode, my god! Mon moi, elle a failli! Regardez, elle a plus d'énergie quasiment. Non! Non! Allez! Oui! Oui! Allez, le cœur explosif! Allez, allez, allez! Allez, Chaudhead! Allez! Allez, s'il te plaît! Non, 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 non! Perds pas! C'est ta dernière chance! Non! Bon, bah, elle a perdu. Les gars! Mais il est impossible d'activer ce système comme ça, là! Wouh! Système qui a coussé, il va lui laver! Bon, elle a gagné. Déception. Oups. Alors, nous allons essayer celle-ci. Vous connaissez, mais ça va venir une GT. J'arrive à essayer à la main pour le premier combat. Ensuite, nous allons lancer à la normale. On va mettre en attaque. Ah non, en attaque. Non, 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 non. Oh, les gars, elle a pas absorbé. Elle s'est faite prendre des dégâts. Oh, elle a tellement de chance. Bah, hey, 1-0, 1-0, avec la tenue. Comment on change le mode? Ah oui, je sais comment. Ici, ici. On doit changer. Non, allez, t'as deux données explosées, les gars! Nous allons mettre en mode défense qui va équilibrer le combat. Mais qu'est-ce qui se passe là? My boss! Oh, j'avais c'est vrai, j'avais oublié, c'était une toute petite sorte inversée. Vite, vite, vite. Chose à qui là, j'ai déjà mis en mode défense. Je pense pas que vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi elle attaque même tiens c'est le mode défense. Bon bref, c'est pas grave. Bon, l'important c'est que la toupie soit belle et forte en fait. L'important c'est qu'elle est forte et belle. Et en plus elle a deux modes en fait. Le mode attaque et le mode défense. Si vous voulez, je vais agrandir juste un petit peu, c'est possible. Mais c'est pas trop des règles du jeu, parce que normalement, tu ne peux pas. Mais on peut. Mais normalement, on n'a pas le droit. Oh! Chose Z à 2 points. Donc, les gars, on fait quoi? On les lance tous les deux à la fille cette fois, les gars. Combat d'une même lanceur. Elle en premier. Chose à laquelle on va la laisser en défense. Elle a l'air d'être contente en mode défense. Hein. Si je me trompe pas, non. Alors on veut un chaos explosif. Chaos explosif, chaos explosif. Et je l'ai jamais vu exploser. Puis Chose à laquelle non plus a jamais explosé. Bah, à part le chaos explosif qu'il n'a pas compté. Hein. Enfin, on ne comptera pas non plus. Hein. Oh, oh, qui va gagner? Qui va win? Chose là qui laisse à winner. Nous a fait venir, tu dégages. Après, je vais vous redire qui est-ce qui a gagné.
les combats, qui a perdu les combats. Lors du dernier combat, Chosen Achilles contre cette belle toupie GT. C'est que les dernières qui sont des GT. C'est toutes des turbos, puis les dernières c'est des GT. Comme j'avais pas remarqué, mais... Oh, attendez les gars. Je vais faire un truc les gars. Si on la lance à la main, en plus elle a quand même une bonne ouverture. Mais sans inverser, normalement la chance normale, je le sais. Mais si on la met comme ça, qu'est-ce que ça va changer? Oh, j'aurais pas dû mettre en mode défense. Oh les gars, regardez! Elle a full énergie là! Non mais allez, s'il te plaît, non, non, s'il te plaît, non! On voulait juste essayer, hein. Ça compte pas pour un vrai combat ça. On veut juste tester. Ah ouais! Les gars, essayez chez vous les gars. Allez, un bâtard comme ça. Bon, voilà. Premier combat qui compte cette fois. Voilà, vous faites quand même un grandeur quand même. Hein. Ah ouais, les gars. Là, pour l'instant, les gars, on a trois gagnantes. La Kerbeus. Fornus lumineuse. Très Phoenix. Oh les gars, elle a gagné un point. Cette femme nous a lancé en premier. Je pense à la ficelle, évidemment. Ah. Oh les gars. Hey, elle est partie en attaque. Ouf. Ah ouais, mais là, elle veut plus rien savoir. Non, mais elle a tête trop. Hein. Ah ouais, les gars, je vous ai dit, elle est trop forte. Et tiens, nous allons essayer au moins... Une fois en mode attaque, les gars. Nous la préparons. Regardez, les gars. Ça, c'est le mode défense. Si vous voulez mettre en mode attaque. Oui. Et comme je vous disais, on peut monter juste un peu si vous voulez. Hein. Chez vous, vous pouviez chez moi. Vous y êtes possible. Bon, regardez. Regardez, les gars. Nous allons essayer de monter juste un petit peu. Comme ça. Turbo protection maintenant, le mode turbo protection. Si vous regardez les épisodes, vous connaissez. Sinon, normalement, vous connaissez sûrement pas. Et puis, avec. Je me demande qu'est-ce que ça va faire. Oh, il se rend en mode endurance tellement. Clairement rendu en mode endurance là. Là c'est rendu en mode endurance les gars. Si vous le montez, je mets juste un. Quand vous entendez clic, vous arrêtez. Vous continuez pas, vous arrêtez. Ça va devenir en mode endurance. Regardez les gars, je la vois rarement faire ça. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo et elle. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'espère que vous aurez adoré. Et comme je vous ai promis, la promesse va rester. Ok. Déjà, nous avons Zelda Kines qui n'est pas trop forte. Oh, vite, vite, vite. Nous avons elle. Nous avons elle. Attends. Ouais, c'est ça. Puis ici, dans les gagnants, nous avons juste Drey Phoenix. Kerbeus et Fornus. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez adoré. C'était Raverse. Allez, ciao.